points. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com. Voilà. Banakongo, Bokota, Bokota, Bokota. L'heure est grave. Ton équipe est sur la bandeko ya biso, batou balanda ka biso à travers tolobelavieofficiel.com. Merci de la fidélité, merci de la disponibilité, surtout na bolingo oyo boza ko lakisa à travers bandeko ya bino. Na tolobelavie, toza wana pona to solola na bandeko na biso. Lobi to lobaki déjà que to zongeli musala ndenge oyo to bandai kusala na bandeko. To kimaki yango moke ezalaki par rapport ya batu misu bazalaka mal intentionné ndenge to yiseki bino. Alors là to moni que batu belé vraiment bazui conscience et puis maturité penze komi makasi. Surtout en rama politique oyo peuple congolais diaspora balamuki vraiment bazana souci ya mboka na bango. Merci la grande équipe à tolobelavie, merci 4 fois prêtre Washington, les grands pays de Munich, Alvaro, Shimano Kairik, Mitador Malumbi, Système Kung Fu, hein, Salom Rock'n'Roll, Bandeko Boza et Belé, sans oublier notre réalisateur Steve Malungwene. Boyebake, nous sommes déjà de retour. Alors, Tolobaki, il faut tout bosser dur. Ma réalité, c'est Belé. Ma vidéo est belé. Je crois que c'est l'élo, à 21h. Ceux qui vont se connecter beaucoup moins à Biloko, Otoye Libino, Otoye Poto proposé, Nabana Congo, beaucoup moins à. Tu peux te dire que tu es un peu privé, mais je suis un peu salapé, je suis un peu qui est vraiment un peu moins dur, mais moi, difficulté, je suis un peu belé, je suis un peu belé, je suis un peu belé, belé, belé. Mais là, nous sommes de retour, donc numéro Nabiso, Oyo, Boza, comment les affichés, wana, ils alaka déjà, ils ont guipé déjà en marche, donc ce go bengi tout de suite là, aux Ubiso, Tome Kako Solo là. Les autres, l'équipe auto solo, nous, ça dit, nous avons proposé Bino Bolanda, discours, il y a chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais les lopes, quand ils ont journée, Bazo Kunda, Ndekonabiso, et pas phrase. Moi, na poto oyo a outaki a tika ki poto a zonga ki na appel ya chef de l'État. Ya honte zolo ba na batu nyo so oyo ba zonga ndabiso. Soko lingo kende Kinshasa, ko zwa makanisi na yo te ndengo zo kanisa na mikili awa. O zwi yango memi yango na Kinshasa. Ko boule ko tuteke soki oke na Kinshasa lelo. O sala makambo yo zo lingo sala wana. Yo tiki boulot na yo o kangi kaka valise bon chef d'état bengi ngai ndenge zala ke zwa poste o kutu na ngulu ba monde ba bona Kinshasa na ko remarquer na Kinshasa bato baza kuna surtout bato ba bunda ki sur place balingi bato ba bunda ki libanda te pona bango c'est à dire o nyoso bato basa ki libanda tamo ambo eli sans rival. Mais moi, il est sans rival. Il y a sérieux, il y a tout le monde aventure. Mais il y a sérieux, sans rival à Béli Makassi. Sans rival à Béli Makassi, dans la dose à Kinshasa. Sans rival à Béli Makassi. Alors, tout ça, ça a été. Il y a un peu de conseil. Il y a Béli, il y a un Kanisa Neti. Que. Il y a un Kumisa. Il y a un système qui est un peu comme ça. Il y a un Kita Kinshasa. Par là, tu vas comprendre que au sala qui moussala cheval, moussala mpunda. Soko okumi sa moutou. To soko zana sima ya moutou moko boy. Sala yango penza na ndenge ya bien. Kosa on na ndenge to zele loko mo. Parce que so zele loko moko boy. Et puis déjà na tao na ba age oye. O to komi na on lelo. O koza moutou ya jale lota.
okozala malanda ngulu ta malanda ngombe ta makambo na oloba oyo eza makambo oyo namoni yango na miso e parfois sio bakundele loti moto alakufi na makambo ebele na motema mais lelo oyo notre cher camarade n'est plus accueilli pasi oyo eza na famille na ye tala famille na ye omona kaka nazalaki moto ande kosunga famille na ye mais na peine ndesali ke akita Kinshasa okita Kinshasa ngo tala ba réalité alors surtout na diaspora oyo ebele mpe baza awa ati lelo baza na bango bamalanda ngulu bana bango sadi bata sentiment ozo kumisa eloko moko oyo kozwa rien ta kumisa kozwa te awa so kumisi go kende Kinshasa okomprendre kumisa na yo soko okumisa sala bemission ya bacouleur nyonso loba sikoyo koloba kende Kinshasa so baokipe yo obakisa mosapi moko nde okomprendre alors bandeko nyonso tolobela vi tomonana nde tolobi wana tomonana na biso na bino nyonso tokutana ensemble tomekaka kosolola boye chaque jour à partir de 21h tondozala connecté mpo tomeka kopanza mpoke toluka na solution po solution juske la solution eza te alors soit tozotia téléphone ouvert eza mpona moto nyonso biso toza na tendance moko te mpo bato oyo bamemi biso fo bango tu bandemo bamemi biso na bandenge moko boye ntango tolobaki kabila akomaki na suka ngaki enduka si ya baventure baventure ta alors fo tosololaka mpo tobosana lisu te tobungaa lisu te tokobunga te merci na bacongolais oyo bozolanda biso de partout soki omoni émission tolobela vi zwa yango tindelango ndeko na Kinshasa parce que kuna balandaka te moto akolanda ndenge nini fo aleisa famille fo akeluka mbongo pasi moi makasi bangungi emulunge poussière mais omwabila moto afandi liboso alopango na bango pusi no makambo na moi na Kinshasa eza mboka na biso tokotikango ndenge wana te tosala effort tomeka kosunga mboka na biso alors nalekaki mpona na proposé bino bolanda discours ya mwana mboka Félix Tshisekedi depai wapi azali azwaki maloba alobaki oyo ezalaki mpena mingimingi natiela bino bolanda bokomprendre kaka kinono makambo na oloba nazala makambo ebele ofuna loba toza mpena makambo ebele oyo esengi topartage na bana Congo ntan ezali lokola mpe eza ebele tondokeno malembe malembe mpo toza na bavideo tondolakisa bino bomona koma mboka na bino sans tricage bomona koma mboka na bino alors bavideo natan tondolakisa bato misu eza benga ta ndeko yebisa elobakino en tout cas pardon so moi ezali longola salite liboso lopango so moi ezali place otekaka wana koma moto oteka mikate awa to thompson awa mais aoteka ngo na kata fulu biloko ya kolia photo loba ah to proposer nous d'abord Félix Tshisekedi après to kozonga pona to meka kosilisa mo intervention na biso oyo c'est pela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomo na makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati O parti BB, O CFAIO, Eza na kati, ya Sepela TV. Bouke komika ya mouke boye, o tchina poche voyage na ngoke no partout lingi, na bouke no ya Sepela TV. Sepela TV, mema biso nyongozo, mema biso wana kaka, machine ma daka daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Monsieur le Président Agué Gangob, Président de la Namibie et Président en exercice sortant de la SADC,
Excellences, Monsieur le Président John Pombe Magufuli, Président de la République unie de Tanzanie et Président en exercice entrant de la SADC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Madame la secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l'Afrique australe, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur d'être ici à Dar es Salaam à ce 39e sommet de notre organisation sous-régionale. Je voudrais d'abord présenter ma gratitude au gouvernement et au peuple frère de la République unie de Tanzanie pour l'accueil combien chaleureux et fraternel qui a été réservé à toute ma délégation ainsi qu'à moi-même depuis notre arrivée sur cette terre de Mwalimu Julius Nyerere, ce beau pays qui va de Tanganyika à Zanzibar, Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. J'aimerais aussi particulièrement féliciter le président tanzanien, John Pombe Magufuli, qui va être élu président en exercice de la SADC. C'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer ma gratitude au docteur Hage Geingob, président de la République de Namibie et président sortant de la SADC, qui a fait avancer le programme d'industrialisation de la région. Ce programme a mis l'accent sur le développement des infrastructures, l'autonomie des jeunes, la promotion des droits de la femme et le développement durable, objectifs qui me tiennent à cœur. Mes félicitations s'adressent enfin à Madame Lawrence Tax Stergomena, secrétaire exécutive de la SADC, pour sa remarquable contribution au développement économique régional et la mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional. Enfin, je remercie vivement tous les pays membres de la SADC pour leur accompagnement manifeste durant les moments les plus critiques, ce qui a permis d'éviter l'implosion de la République démocratique du Congo et de favoriser l'alternance politique, démocratique et historique vécue récemment après les élections de décembre 2018. Mesdames et messieurs, je prends l'engagement solennel de n'épargner aucun effort pour que mon pays, la République démocratique du Congo, avec votre accompagnement, recouvre rapidement dans sa partie est la paix et la stabilité pour lui permettre de contribuer efficacement au processus d'intégration sous-régionale. Mesdames et messieurs, au moment où je prends la parole devant cette auguste assemblée, je voudrais vous informer que la partie est de mon pays est en proie à une insécurité persistante causée par les groupes armés d'origines internes et externes. Le plus redoutable de ces mouvements armés est celui des ADF-MTN, dont le modus operandi consiste à commettre des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh, ce qui constitue une menace tant pour la République démocratique du Congo que pour toute la sous-région. C'est pourquoi j'ai élaboré un vaste programme pour le rétablissement de l'autorité de l'État visant à mettre un terme à l'insécurité qui sévit encore dans sa partie est et favorisant la réconciliation de tous les fils et les filles de mon pays. Ceci aura comme conséquence l'instauration d'un état de droit et l'amélioration du climat des affaires. Mesdames et messieurs, je voudrais ici solliciter un peu
en vertu de la charte de notre organisation, votre solidarité envers mon pays et son peuple pour qu'à l'issue de cette session, nous puissions, à l'instar de la brigade spéciale qui opère sous le commandement de la MONUSCO et qui avait mis en déroute le mouvement de M23, prendre la ferme résolution de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo afin d'en finir définitivement avec tous ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Je propose de créer, à l'image de la coalition mondiale contre le terrorisme, une coalition régionale pour éradiquer ce fléau. Mesdames et messieurs, au-delà de ces préoccupations sécuritaires, mon pays est également confronté à la maladie à virus Ebola qui sévit dans la même région. Compte tenu de la gravité de cette situation, j'avais mis en place au mois de mai dernier une cellule technique qui travaille sous ma supervision, composée d'experts de renommée internationale, parmi lesquels le docteur Muyembe, qui a identifié le virus d'Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la découverte du MAB-114, une molécule thérapeutique pour le traitement contre la maladie. Pour votre information, ces travaux seront récompensés tout prochain par le gouvernement japonais. Cette stratégie de riposte nous a permis de mettre à l'abri la ville de Goma et de poursuivre l'éradication dans les autres parties qui seraient affectées, tels les deux cas détectés avant-hier à Bukavu. En même temps, le Rwanda, pays voisin, l'Organisation mondiale de la santé et la République démocratique du Congo se sont accordés pour adopter des mesures communes préventives permettant de renforcer la riposte. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'élan de solidarité qui s'est manifesté de la part de nos partenaires bi- et multilatéraux pour leur accompagnement et leur soutien. Je puis enfin vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour relever ce défi. Mesdames et messieurs, pour revenir au thème de la présente session, à savoir un environnement commercial propice au développement industriel inclusif et durable, à l'accroissement du commerce intracommunautaire et à la création d'emplois, laissez-moi vous dire que ce thème me conforte d'autant plus que mon pays, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 autres pays, possède des atouts innombrables. Qu'il s'agisse de sa population, sa superficie, son écosystème, son sol et son sous-sol, son potentiel hydroélectrique et minier, la République démocratique du Congo demeure un maillon dans le développement de la sous-région. Je m'engage à poursuivre l'intégration régionale et la politique de proximité avec tous les pays de la SADC. Dans ce contexte que je m'emploie à faire de l'intégration nationale, une réalité par la mise en place d'infrastructures adéquates ayant pour vocation de s'interconnecter au vaste programme de la sous-région. Mon vœu est de voir très rapidement toutes les populations de notre sous-région circuler librement de l'océan Indien à l'océan Atlantique, de Dar es Salaam à Lobito, de Mombasa à Banana, de Haru à Durban. Je voudrais également rappeler que le développement des ressources énergétiques, notamment l'électricité, est un atout majeur pour l'industrialisation de nos pays.
À cet égard, la République démocratique du Congo offre de n'exploiter le potentiel de la République démocratique du Congo pourrait satisfaire aux besoins de l'ensemble de la sous-région et au-delà de l'Afrique tout entière. Le développement durable, c'est aussi l'agriculture. Point n'est besoin de rappeler qu'en cette matière, mon pays dispose aussi d'énormes capacités. Voilà ce que mon pays est disposé à apporter pour l'accomplissement de l'ambitieux programme que nous nous sommes fixés pour notre sous-région. Excellences, Monsieur le Président Agué Gangob, Président de la Namibie et Président en exercice de la communauté, Président en exercice sortant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Excellences, Monsieur le Président John Pombe Magufuli, président de la République unie de Tanzanie et président entrant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Madame la secrétaire exécutive de la communauté de développement de l'Afrique australe, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Pour terminer, j'ai la ferme conviction que les assises du présent sommet aboutiront à des propositions concrètes afin de créer un environnement commercial et sécurisé, propice au développement industriel inclusif et durable dans notre espace SADC. Au nom du peuple congolais et au mien, je souhaite plein succès aux travaux et délibérations du 39e sommet de la SADC. Kwa niaba ya raia wote wa Congo na mimi mwenyewe na watakia mafanikio mema ya kazi yetu. Félicitons-nous. Voilà, je crois que le discours de mon amboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En tout cas, il faut qu'on compte à chaque fois pour te comprendre que ma information est moins belle. Les singa pour me suivre tout chagaté. Or, les singa chaque fois. Donc, ce que l'amour qui n'attend, le gars du bossu mettait le bel avis officiel. Au moins, que vraiment, l'information est vraiment ébellée. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés dans tout le Bela Vie, partagez l'émission. Tout aussi, je vous remercie de faire ça. Il faut même moi, Pierre, dans la construction en boca. Voilà, donc, d'ici là, portez-vous bien et restez connectés dans tout le Bela Vie officiel. Merci beaucoup. belavie.com www.tolobelavie.com